Hey vous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du 100 bébés challenge. C'est très dégoûtant, il faudrait qu'ils nettoient ça, ce serait bien. Alors aujourd'hui on fête 3 anniversaires, c'est sûr. Il y a celui de Nathaniel qui est là, il y a celui de Juliano, donc ça veut dire que ces deux-là ils partent de la maison. Et j'ai vu que Niri aussi. On fête son anniversaire. Je crois même qu'on fête son anniversaire aujourd'hui. Alors attendez. Nathaniel et Niri, on fête aujourd'hui. Juliano, à mon avis, c'est pour demain. Non. C'est pas pour demain, c'est dans 3 jours. Ah, la fausse joie. Bon, c'est pas grave. Est-ce que... Non, de toute façon, il a aucun trait d'éducation au maximum. Et il a une note C à l'école, alors comme ça... On ne pourra pas le faire grandir en avance. Ici, on a un B, donc c'est mort. Il y a du B ici aussi. Mais à mon avis, ça va pas tarder à passer au A. Est-ce que au niveau éducation, elle a... Je pense que si on pousse encore un peu la responsabilité, on pourrait aussi la faire grandir et la faire partir. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose à en tirer? Non, pas franchement. Et ouais, il y a un B à l'école. Bon. C'est déjà mieux que rien. Ici, quand est-ce qu'elle va exploser? Bah bientôt aussi. Oh, ça va être un bon épisode. Très bien. Bon, bah écoutez, je vais terminer. Je sais pas s'il a réussi à nettoyer. Oui, je vais faire le tour des toilettes, tout ça. Je vais m'occuper un petit peu de la maison. Et puis, on se retrouve pour les anniversaires. Oh, et de une. Alors, trait de caractère aléatoire, du coup. Elle est où? Elle est là. Oh, elle est trop choupie. Oh, les yeux qu'elle a. Bon, du coup, elle a pas les cheveux roses comme j'espérais, mais c'est pas grave. Bon, on a un bambin sur les bras. Ça, c'est moins bien, par contre. Elle va nous causer des problèmes. Ah, si. Voilà, elle commence déjà à hurler. C'est une blague. Mais pourquoi? Tu vas très bien, en plus. Pourquoi tu hurles? C'est pas grave. Alors, si j'avais dit niveau 3 pour chaque compétence, faut qu'on fasse ça. Il y a quoi comme compétence chez les bambins? Mouvement. Alors déjà, elle sait marcher. C'est déjà bien. Donc on va la faire marcher, réveiller. Non. Oh, mais quelle peste! Oh, regardez-moi ça. Elle va aller réveiller sa sœur en plus. Avoir un petit peu faim, elle a rien quoi. Ça, c'est une peste en puissance. Ah non, ça y est, elle s'est ravisée. Il y a des jeux, c'est plus intéressant. Ah, on a une fuite. Oh, c'est dégueu. Oh là, ça fait des trucs bizarres maintenant. Mince. Je sais pas ce que c'était, ces traits-là. Ok, on a un garçon. C'était quoi le prochain prénom? Ok, en prénom garçon, on avait celui-là. Noah. Oh non! On en a deux. Ah, flûte! Flûte, flûte, flûte. Du coup, dans la suite, il y avait Ryan. Donc, on va mettre Ryan. Noah et Ryan, on a des jumeaux. C'est nickel, ça. On va pleurer, mais ça va bien se passer. Sachant que les deux-là doivent partir. Enfin, lui, celui part. 6, 7, 8. Donc, il nous en reste... Alors, attendez. Que je me gourre pas dans mes calculs. On peut en faire qu'un seul. On peut en faire qu'un seul. De toute façon, il faut qu'on attende que lui parte. Tu voudrais pas avoir une note... une bonne note? Aussi, je pense que ça vient. Oh, et lui, en responsabilité, il est nickel. J'avais pas vu. Si, j'avais vu ça tout à l'heure. Je ne sais plus. Oh, mais oui. Oui, oui, oui. Il faut que tu ailles à l'école. Et forcément, on est le week-end. Ah, il aura vieilli d'ici là. Oh, on n'aura pas gagné de temps, en fait. Oh, c'est nul, ça. C'est nul. Ouh, et de deux. Donc, c'est Nathaniel qui est là.
Il est où? Il est là. Donc je suis désolée, mais tu pars de la maison. Le conseil a voté, tu te casses. Allez, zou. Comment on fait déjà? Chaque fois, je ne m'en souviens plus. Là? Oui. Ok, donc il nous reste une place pour un bébé, mais dans l'idéal... Ah, tiens, toi, t'as la couche qui pue. Dans l'idéal... changer la couche. Il faudrait que Jessica parte et que Juliano aussi. Que je lui fasse faire un massage de fertilité et après qu'elle aille voir un papa. Parce que si on pouvait avoir des triplés, ce serait quand même pas mal. On va en chier, mais ce serait pas mal. Pourquoi tu pues encore? Ah non, tu pues plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? Ah mais il faut un bain, j'avais oublié. Oh non. On n'a que 4000. Ah la misère. J'avais oublié ce détail. Ben, on va prendre un bain. 350, 450. Non, après c'est trop cher. On va mettre ça, hein. J'avais oublié ça. Donner un bain, il y a un truc qui coule là. Non? Ah ouais, il y a un truc qui fuit. Tiens, toi, Zou. Oh non! Elle a vieilli. Oh, c'est une adulte. Oh non, 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 non. Oh. Il me semble que quand ils vieillissent, ils sont moins performants. Qu'est-ce que... Pourquoi elle se tient comme ça? D'accord, elle est confiante, ok. Par contre, c'était pas une obligation de changer les vêtements, là. C'est moche. C'est déjà l'anniversaire des deux petits. Oh, moi, ça m'arrange, j'ai pas de soucis. C'est ça, là. Écoutez-moi ça, ce merveilleux son. Toute la journée. En fois deux. Et j'aimerais qu'on ait des triplés. mais qu'est-ce que je fais? C'est l'horreur. Alors, qu'est-ce qu'elle a à faire? Corriger des copies. Oh, c'est facile. Hop. Est-ce que c'est à peu près propre? Ouais, vite fait. Enfin! Donc, toi, tu vas t'en aller. Et est-ce que toi, tu as eu un A? Non, toujours pas. Il faudrait que tu aies un A, ce serait mieux. Atteindre le niveau 3 dans une compétence. Est-ce qu'il y en a une? Ah oui, la cuisine. Très bien. Eh bien... Tiens, on peut faire ça. Ça peut être pas mal. Et toi, tu vas t'en aller. What? Ils ont sauté du berceau, c'est une blague. Je l'avais pas vu la dernière fois. Ok. Eh ben, ça c'est fait. Oula. Très bien. Donc, elle a faim. Oula, doucement, doucement, doucement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ceci ici. Et tout le monde va se servir, hein? Fête de l'hiver, ok. Allez, zou. Donc toi, tu fais ça. Et toi, il faut que tu ailles à l'école à un moment donné. Comment ça, Noa vieille? Ah non, mais je pense que j'ai un petit bug. Mais elle est à poil? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah non, tu peux pas te promener comme ça. On va lui donner un bain. Hein? Ça me paraît être une bonne idée. Pendant que sa mère est en rencard quand même. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle fait? Très bien. Tout va bien. Tout va très bien. Sinon, je galère avec ce rencard.
J'ai l'impression que, je sais pas, ça ne va pas. Ça ne passe pas. Est-ce que ça passe? Oui, ça m'a l'air. Non, je sais pas, je suis pas très certaine quand même là. Alors, attendez. T'as des frères et sœurs? Débrouille-toi avec tes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non! Mais pourquoi tu pars? Ah! Ah, ça me plaît. Ok. Alors, on pourrait. Est-ce qu'on pourrait. On peut pas s'asseoir quelque part ensemble? Si. Non? Il est où? Il est où le rencard? Oh, il a disparu? Où est-ce qu'il est? C'est une blague. Non, ça ne va pas. Où est-il? Il nous a. Ah non, il est là. J'allais dire. Il nous a proposé de venir. Non, c'est pas lui. Je rêve. Il nous a posé à lapin? Il nous a proposé de venir. Et en fait, il est même pas là, quoi. Je rêve. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est une honte. Incroyable. Si on arrive à l'avoir, lui, punaise, hein. Ah là 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 là. Alors, à un moment donné, il s'agirait quand même de se regarder en face à face. C'est mieux pour se draguer. Parce que là, dos à dos, ça va être compliqué. Il y a des discussions de groupe, ça ne va pas. Non! Il est où? Ça ne va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Elle vieillit, il faut qu'elle fasse des gamins. Alors bouge ton cul, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Il se casse encore. Ah, ça y est. Bon, c'est pas optimal, mais bon, on fera avec. Hein. Enfin, non. On va jamais y arriver. Tout ça pour se prendre en photo avec l'autre derrière là. Ah mais du coup on n'est pas en rencard. C'est un désastre. Bon elle est toujours pas partie de la maison Jessica, mais tant pis, on va faire avec. On va le draguer au plus possible, aller faire un massage de fertilité, faire crac crac avec, et en espérant qu'on aura des jumeaux. Premier baiser. Pourvu que ça fonctionne. Allez. Ah ouais. D'accord. Je suis pas convaincue à 100% quand même. Mais d'accord, on va dire que ça suffit. Hein. Hop, on va l'emballer histoire de d'être sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un... Ouais, allez. Ok, maintenant, massage. Ok, alors, fertilité stimulée, 12 heures. Est-ce qu'il va venir? Oh, il est 4 heures du matin, c'est une blague, j'avais oublié ça. Est-ce que je peux lui proposer, genre, un rencard? Ah oui, tout à fait. Je pense que comme ça, il va pouvoir venir. Faut qu'on se dépêche. C'est quoi ça? Grandit tellement vite. Okay. Eh mais elle est encore. Mais pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Des vêtements pour quoi faire? Non mais c'est une future naturiste. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Très bien. On va ignorer. On va faire comme si on n'avait pas vu. Il arrive ou pas? Vous verrez là-bas. Bah oui, mais c'est ici. Alors.
Où est-ce que tu es? Il est insupportable. Ce papa est insupportable. Où est-ce qu'il est? Non. Je sais pas où il est. Il est pas venu en fait. Celui-là, il ne fait que nous poser des lapins. Il nous propose des rencarts, mais pff, il vient pas. C'est pas nécessaire. Comment je vais faire? Ah, je sais. Commencer une réunion. Tout simplement. Ça, je suis sûre qu'il va venir. Essayer de faire un bébé avec Gavin. Voilà. Voilà, on trouve des solutions. Tout est possible. Tout est possible. Ah, ils ont des vélos. Ah, trop fort. Trop fort. Pourquoi ça ne prend pas? Non, faut vraiment que je fasse le tri dans mes modes. Je pense qu'il y a des... J'ai des modes qui se mettent en conflit avec les interactions. Ce n'est pas possible. C'est pas possible du tout. Ah, oh, pourvu que ça fonctionne. Elle est toujours en fertilité. Oui. Elle, elle est... toujours à poil, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ben, un jour, je ne sais pas. Oh, il est enfermé dans son petit truc. Pourquoi? Relâcher. Non, mais... je ne sais plus quoi faire de mes Sims. C'est de pire en pire, franchement. Pourquoi? Très bien. Ok. Alors. Possibilité de jumeaux. Oh, allez. Ça, on le saura qu'au prochain épisode, en vrai. On ne le saura pas là maintenant tout de suite. Donc, Ah ouais, c'était vachement nécessaire de le prendre dans tes bras pour le poser juste à côté. Par contre, à mon avis, un bain, ce serait pas de refus. Alors, est-ce que ça a fonctionné? C'est une blague. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ah si, alors là, j'ai... Oh là, j'ai un souci. J'ai un souci. C'est un retard fou. Alors, faut que je trie mes modes là. Ok, donc c'est bon, elle est enceinte. On a fait partir deux gamins. On a trois nouveaux bambins, elle est de nouveau enceinte, possiblement de jumeaux. Ça s'appelle un très bon épisode pour le 100 bébé challenge, oui. On avance, je sais pas à combien de gamins on est du coup. J'ai même pas compté. Alors, 3 et 3, 6 et 3, 9, 10. On en est déjà à 10. C'est bien, on avance. C'est pas comme si c'était 100 qu'il fallait en faire. Il va falloir que la prochaine matriarche, elle accélère quand même, hein, parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser ici pour cet épisode, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!